Yop, salut à tous ces amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver, pardon, pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Désolé, je suis un peu encombré, j'ai un peu enrhumé en ce moment. Je pense que ça doit s'entendre au niveau de ma voix. Voilà, donc on va se retrouver pour un nouvel opening. Donc ça va être un nouveau Monster Opening. Donc vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. À chaque fois qu'il y a un Monster Opening à l'arrivée, il y a toujours un nouveau 7 étoiles. C'est un petit peu le fil rouge de l'opening. Voilà, mais il n'y a pas que ça, il y a les nouveaux feats qui sont arrivés et il y a un perso en particulier qui m'intéresse, c'est Kushala. Avec les événements X Magica, il y a possibilité de justement pouvoir up des champions X Magica ou voleurs magiques en 6 R4 voire 6 R5 à la fin de l'event avec les paliers de récompense à aller chercher. Donc il y a une gemme de rank up de 6 R4 à 6 R5 à récupérer, donc c'est vraiment super intéressant. Et en plus de ça, il y a gain de niveau, donc j'espère fortement pendant cet opening là obtenir la Kushala. Donc j'ai pas que des 6 classiques ou feats à ouvrir, j'ai d'autres trucs aussi à ouvrir, notamment les cristaux spéciaux de ce mois-ci là, nullification du chevalier. Il me reste encore des cristaux du mois dernier, donc cristal de sable et d'acier du chevalier. Je vais avoir aussi des petits cristaux à ouvrir. Enfin, on va tout ouvrir et on s'attardera sur ceux qui m'intéressent le plus. Voilà, donc eh bien, écoutez, c'est parti, on va commencer, hein. Donc on va ouvrir les SCH, les 3, les 4, voilà, tous les trucs qui m'intéressent pas plus que ça. Voilà, donc là, ça nous permet de gagner de l'ISO, notamment. Un petit peu d'or aussi, au passage. Alors j'espère avoir au moins un 4 sur ça. Ben non, ce sera que du 2. Voilà, cristaux de compétence max, on s'en fout un petit peu. Ensuite, est-ce que j'ai du 3? Est-ce que j'ai du 3? J'ai pas de 3, j'ai pas de 4, donc ça va aller vite. On va ouvrir les deux cristaux de chevalier que j'ai ici. On sait jamais, peut-être à 6 potentiellement. Alors les cristaux de chevalier, par contre, j'ai fait un par un. Comme ça permet de voir à peu près ce qu'on va récupérer. Ah ben, un cristal 5 Nexus, c'est plutôt pas mal ça. Ça c'est plutôt bien, plutôt cool. Ça fera des éclats 6 en plus potentiellement. Ok, le deuxième. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche pour les notifications de mes vidéos aussi. N'hésitez pas de temps en temps à mettre des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. J'essaie tant bien que mal de répondre à tous les commentaires qui me sont mis quoi, sur mes différentes vidéos. J'essaie de répondre à un max de commentaires. Et puis moi, ça permet de faire progresser ma chaîne, ça permet aussi d'avoir un visu sur ce que les gens pensent sur mes vidéos, etc., etc. Donc on va ouvrir ces deux cristaux-là. On va voir un petit peu. Peut-être une Infamous Iron Man que j'ai toujours pas, qui me fait comme la peste. Oh, ce sera du 3, il faut pas trop rêver, mais bon, si jamais. Dans le cristal du chevalier de nullification, il y a la Kushala. On sait jamais si j'ai obtenu grâce à ce cristal-là. C'est bien, au moins ça me permettra de pas ouvrir plus de feat que ça. Enfin, que des 3. Non, c'est pas grave. Voilà, donc. Allez, on va continuer. Donc, on va partir sur ces fameux cristaux. Donc, là, j'en ai 5 à ouvrir. J'espère à 6. Ça peut être sympa. Donc, là, bien sûr, vous avez compris que c'était en référence à tous les persos X Magica et voleurs magiques. Alors le premier c'est quoi? Ah, il y a du Warlock à côté, j'aurais bien aimé. Dommage. Donc ça sera du King Groot. Ok. Alors le Warlock, mais j'aurais préféré l'autre version. Donc ça fait 2-4 étoiles. Ça c'est bien au moins parce que ça permet de faire des éclats 5, pardon, et après
Parallèlement à cela, quand je vais ouvrir des 5 étoiles, ça me permettra d'avoir des éclats 6. Ah bah du 3. Ah bah il y avait Kushala tout à l'heure en 4. Tout à l'heure, juste à côté là. Pardon, tout à l'heure. Je suis un peu fatigué là, il est un peu tard. Au moment où je vous fais cette vidéo, il est presque 1 h du matin. Bon, encore du 3. C'est pas très intéressant ces cristaux. Allez. Le dernier. Avec un peu de chance, qui sait? Ce sera du 3. Bon, pas de chance du tout. Ok. Bon, ça fait au moins des éclats de cristaux divers. Ça fait de l'iso aussi. C'est toujours bon à prendre. Donc là, on va ouvrir les 2-5. J'ai le Nexus aussi à ouvrir. Allez. On va les ouvrir comme ça. Ah, un nouveau. Donc j'avais pas la Kamalakan en 5. Ok. Donc là, je crois que j'ai un Nexus qui est vers là, il me semble. C'est ça. Alors là, je sais pas. Ouais, peut-être ça. Pour plus tard, parce que j'envisage aussi de passer ma Elsa Bluestone en 7R2. Donc ça c'est bon, donc ça on va passer directement au 6 maintenant je pense. Donc on va ouvrir celui-là déjà. Alors j'ai pas CGR, j'ai pas une Infamous Iron Man, j'ai encore des persos qui me fuient comme la peste sur ce gros compte. Hein. Ok, ça j'avais déjà. Ça éveille. Ça fait des éclats 7. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va commencer à ouvrir les feats. Donc là, j'en avais acheté un grâce au saut de l'évocateur. Alors, je rappelle, il y a Tigre Blanc, Bull Ice, She-It, Onslow. Iron Heart et Kushala. Allez, le premier. Ah, dommage. Bon, lui, je l'avais pas. Black Panther, Civil War. Ça fait nouveau. Alors, j'espère en avoir. On va les ouvrir un par un. Hein. On va pas tout claquer d'un coup. J'espère la couche à là, franchement. Ok, ça j'avais déjà. Ah non, j'avais pas en 6. J'avais pas le Icaris en 6. Ok. Bon, ça fait deux nouveaux. Ok. Ça n'éveille. Je crois que ça n'éveille. Ah, ça. Ok. Eh ben, c'est pas. Pour l'instant, c'est bof, hein. Tandis que sur mon autre compte, dès le premier cristal, j'ai eu Onslow. Ok. Bon, au moins ça fait des éclats 7. C'est ce que j'ai envie de me dire.
Donc le dernier, on va voir un petit peu ce que je vais obtenir. On va laisser tourner le carrousel. Hein. De toute façon, après, il y a l'algorithme qui a déjà choisi à partir du moment où vous avez apposé le cristal dessus, le socle. Au moins, fit. Oh putain. J'ai eu que des nouveaux par contre. Hein. J'ai la Penny Parker en 6 que j'avais pas. J'ai. Bon, c'est bien, au moins ça permet de combler un petit peu le roster. Alors je vais voir si je peux potentiellement. Encore en acheter un. Encore en avoir un. Ouais, mais non. Je vais en avoir 9. Ouais, bah écoutez, j'ai toujours pas la couche à là. Ça m'emmerde un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On peut pas gagner à tous les coups. Bah, on va partir sur le 7 étoiles. Hein. Donc, au niveau du pool basique, il y a donc Kindred qui est arrivé. Il y a Hyperion. Voilà, donc là. Pff, j'ai pas spécialement de perso en tête. Si ce n'est pourquoi pas le Falcon. Ouais, Hyperion 7, ça serait bien aussi. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas. On va voir. Du moment que c'est bon, du moment que c'est pas un perso spendob. J'espère avoir un gros. La domino, ce serait bien. Domino en 7, ce serait cool. Allez, c'est parti. Ok, bon, Korg en 7. Ça, c'est bien pour la défense. Ça, c'est bien pour la défense. Bon, voilà. Je m'attendais quand même à mieux en 7, hein, honnêtement. C'est vraiment un opening franchement pourri dans tous les sens. Hein. Mais vraiment. Alors, franchement, ça me fait vraiment chier. C'est vraiment pourri à souhait. Y a pas d'autre mot. Donc voilà. Voilà. Alors peut-être. Alors attendez. Je vais voir si je peux pas potentiellement. Alors, je vais encore ouvrir ça. Ouais, qui est fait. Putain, je m'attendais quand même à mieux hein, de la part de moi de l'opening là. Franchement, ça me fait chier quoi. Ok. Alors, j'ai encore les reliques. Là, j'en ai 3. Ok, ça fait de la braise, ça fait des éclats de reliques 5 étoiles, un peu d'or aussi. Alors, est-ce que ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est ce que je cherchais à faire en fait, à récupérer les éclats manquants. Mais j'aurais pas assez, je pense pas que j'aurais assez. Attendez, on va regarder. Si je dépense, on va voir. On va voir. Ouais, il me reste pas grand-chose en éclat pour en avoir 15 000. Aïe, 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 aïe. Wow, putain, il me reste rien du tout. En plus, je peux même pas en acheter un autre. Bon, écoutez, de toute façon, voilà. Donc, l'opening est un peu pourri, on va pas se mentir. J'ai toujours pas la couche à là. J'ai eu à nouveau donc 7 étoiles. Donc, c'est un perso défensif là. Donc, on peut pas tout le temps avoir du bon. Hein. Donc, c'est Korg en 7 étoiles. Voilà, donc.
Je verrai un petit peu. Lui, je veux le up, c'est sûr. Il y aura sûrement défense de garde alliance. On verra un petit peu comment ça va se passer. Bon, cette étoile, c'est très chiant, Korg, à combattre. Mais après, le mieux, c'est qu'il soit éveillé. Voilà, donc. Déçu, vraiment déçu. Donc, n'hésitez pas à liker, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet opening. Moi, je trouve vraiment que c'est un opening de merde. Il n'y a pas d'autre mot. J'espère que la prochaine fois que je vous proposerai un nouvel opening, Monster Opening, ça sera mieux. Mais là, c'est vrai, franchement, c'est vraiment à chier. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Tchuss.